Autre volet de l'actualité, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Destinée Ermela Tukaga, a reçu en audience ce matin une délégation des jeunes membres de Yali Congo. Cette délégation représente le Congo aux consultations régionales de l'UIA sur la lutte contre la corruption qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 5 au 7 septembre 2018. Reportage, Jonel Aoussa. La ville de Dakar, au Sénégal, abritera du 5 au 7 septembre 2018 les consultations intergénérationnelles sur la lutte contre la corruption. Cette rencontre régionale, instituée par l'Union africaine, connaîtra la participation de plusieurs jeunes africains, dont ceux du Congo. La délégation congolaise, qui prendra part à ce grand rendez-vous africain, a eu des échanges ce lundi 3 septembre avec la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Destinée Ermela Tukaga. À Dakar, il y a donc plusieurs délégations de jeunes venus du continent, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui vont se retrouver afin de formuler des recommandations qui devront être transmises au panel des chefs d'État et de gouvernement au mois de janvier 2019. Parce que au sein de l'Union africaine, depuis le 11 juillet 2003, il y a une convention qui avait été adoptée sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et en conséquence des dispositions de cette convention, il y a un conseil consultatif qui avait été institué. Et aujourd'hui, ces chefs d'État ont pensé que c'est l'occasion plus que jamais aujourd'hui de faire participer la jeunesse africaine à la formulation des politiques publiques dans le but de faire avancer l'Afrique. Ces jeunes qui feront entendre la voix du Congo à Dakar quitteront Brazzaville le 4 septembre.